Chers amis, bonjour. Avec notre machine à remonter le temps, nous allons nous arrêter dans une taverne du Gâtinais tenue par Madame Grégoire, aux environs 1862. Des paysans et quelques ouvriers sont réunis et, en une heure, nous allons accélérer le temps et parcourir la vingtaine d'années qui séparent l'apogée du Second Empire de la stabilisation de la Troisième République naissante. Accrochez-vous bien à vos sièges, car nous allons traverser une très forte zone de turbulence entre 1870 et 1871. Je vous souhaite un bon voyage.
la Gambetta qui est partie en ballon. En ballon. Oh. Pour les mettre de l'or, à tout. Je suis là.
n'ont plus rien à manger depuis maintenant 3 mois. Et puis le Red Prus, qui est dû se faire couronner empereur dans notre chantier de Versailles. Oh. T'en penses quoi, toi? Oui, oh ben... C'est une honte, ça, c'est une honte. Sans doute, mon amour, on a pas eu de chance. Il y avait...
Alors nous avons notre sondage.
été interrompu, comme vous l'imaginez, par tous les événements qui se sont passés en 2020 et 2021. On a repris en juillet 2021, là, il y a quelques mois, pour mettre en scène, cette fois-ci, les chansons que nous avons tous travaillées. Alors, je vais aussi demander à Madame Virginie Lothion, si elle est présente dans la salle, de venir nous rejoindre. Elle a réalisé les costumes, ou les a, remis dans l'esprit de l'époque. Voilà, Madame Lothion, donc Virginie.
m'en ai bien voulu excuser mon retard. J'étais en Sologne, la Sologne, c'est pas tout près, c'est un autre territoire extraordinaire. Et si vous avez avec le temps, bien évidemment, je vais avec grand plaisir prendre le temps de découvrir l'exposition. Je veux tout d'abord remercier les élus, monsieur le maire. Je veux remercier également Frédéric Néro et l'ensemble des élus qui sont ici. Et si vous le permettez, dire aux associations qui se sont mobilisées pour ce moment de culture, ce moment de plaisir, vraiment sentiment d'un engagement complètement réussi. Et je veux dire aux choristes, vraiment, c'est très 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 beau ce que vous faites. C'est beau parce que, à la fois, c'est un moment de musique, c'est un moment de chanson, ce sont des airs qui nous parlent très fort, et vous leur donnez vraiment, vous les portez très bien, et puis, immédiatement, ça renvoie à des souvenirs, ça renvoie à des époques. Ces chansons, on pense beaucoup ici à les avoir entendues, à les avoir entendues dans notre enfance, comme des chansons que portaient les générations d'avant. Ça renvoyait à une histoire. Quand on était môme, on ne savait pas exactement quelle histoire. Petit à petit, il y a des enseignants, petit à petit, on a compris ce qu'était cette histoire. Et là, vous les restituez à la fois comme des moments de culture et comme des moments d'histoire. Et dernier mot, je trouve que c'est formidable de faire ça ici, un moment où, finalement, nos territoires, Frédéric, monsieur le maire, nos territoires reprennent une signification profondément humaine. Je crois que longtemps, on a rêvé d'hyperconcentration en se disant la ruralité. La ruralité, c'est l'art, la ruralité, c'est la création, la ruralité, c'est l'engagement collectif, et la ruralité, c'est des